là. Avec le perdu, merde. Pas possible. Ah putain, ce couilleur. Putain de merde. Je vois pas. C'est où là? Putain de merde. Pas assez loin, mais. Bon, ben bonjour à tous, et bon, ben voilà, ça n'a pas été le succès qu'on espérait, mais on a quand même beaucoup appris, et en partie, c'est en partie un succès, puisqu'on est arrivé à parcourir la plus grande distance qu'on ait jamais parcourue en flyboarder. On a parcouru 20,2 km. Donc voilà, après, la partie la plus complexe, c'est vraiment le ravitaillement. Ça bougeait vraiment dans tous les sens et la plateforme se décalait vraiment de droite à gauche. Et du coup, il a fallu que je prenne un petit peu le rythme de ce balancement, en fait, de roulis. Et en fait, en approchant la plateforme, le bateau a monté une vague et ça a en fait décalé la barre à laquelle je m'accroche vers l'arrière. Et donc, en fait, vu que la plateforme n'est pas très grande, en fait, donc au moment où j'approchais, ça a tapé dans le pied de la machine, qui a d'ailleurs cassé et ça m'a éjecté vers l'avant. Et donc, je pense avoir eu le mauvais réflexe. J'aurais dû raccélérer et partir. Et j'ai essayé de me rattraper en fait à la barre et là en fait c'est parti en swing droite gauche avant arrière et donc encore un mauvais réflexe, j'ai pas relâché les gaz au bon moment et donc je suis tombé à l'eau. Donc voilà. Donc là quand tu touches l'eau, tu te dis là c'est dur de repartir, ça anéantit toutes les possibilités de redécollage. Donc coup dur. Mais bon, je suis déçu, ça c'est évident. Mais je dirais que je pense pas que Lou Berriot ait réussi à faire voler son avion du premier coup. Je veux dire, l'aviation est faite de gens qui ont eu des échecs et c'est en se relevant qu'on avance. Je veux dire, j'avais répété ça maintes et maintes fois, c'était vraiment un challenge extrêmement complexe pour nous. Et c'était pas une balade de santé, et donc voilà, ben là, la preuve elle en est qu'on n'a pas réussi. Maintenant, bien sûr que on rentre demain à l'atelier et on repart
pour retraverser. Sir, could you please tell us in English? First, how are you? Okay. What happened? Can you explain a bit what happened? Ok, comme vous voulez, on fait d'abord en français, on est en direct. We do it first in English because we are live. Oh, ok, ok. So just, I will go fast. So, we fell. We are sad about that. But in the other hand, we realized the fastest flight ever in a flyboard there. We did 20.2 kilometers. We was care along the work behind this DeFi to fail on the distance, and finally that was the easiest. I was like pushing my DeFi and everything, and I pushed my body to the limit, and finally I was able to fly faster than I expect, and the biggest challenge finally was the landing. The boat was too small, the platform moving on the wall, and so I was focused on that, and when I approached the platform, it just tilted on the pitch, it hit the feet of the flyboard, and then it was the disaster. But we're back in France, we're back at home, we will rebuild it, and do it again. Comment va votre engin? Comment va le flyboard air? Le flyboard air est détruit, littéralement, hein, toute l'électronique à refaire. Les moteurs sont foutus, tout est foutu, mais on l'a construit, donc bien sûr qu'on peut le reconstruire et très rapidement. C'est pas la première fois, j'espère que ce sera la dernière, mais bon, de toute façon, vu qu'on se met de plus en plus de challenges et de plus en plus haut, ben forcément, ça sera pas la première et la dernière fois qu'on échouera. Ou sinon, il faudra qu'on reste hyper conservateur et vivre sur nos acquis, et c'est pas comme ça qu'on fait progresser l'aviation. Christelle, votre épouse disait que vous étiez très en colère, oui. Là ça va mieux. Comment? Christelle disait que vous étiez très en colère. En colère après moi-même, c'était pas vraiment de la colère, c'est un peu de la déception, c'est juste avec un truc passé à ça, c'est toujours dur à avaler, mais bon voilà, j'ai passé ma vie entière à faire du sport, tu travailles pour être champion du monde, il n'y en a qu'un. Donc des fois c'est toi et des fois c'est l'autre, donc il faut arriver à accepter ça et apprendre de ses erreurs. C'est ça le challenge. Non, le prochain challenge, c'est vraiment la Manche. On ne lâchera pas tant qu'on n'y arrivera pas. Ben, le plus tôt possible, j'espère. Dans la même configuration, donc on sait maintenant quel est le point bloquant, donc on va prendre un bateau beaucoup plus grand. Et donc voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que ça a été compliqué parce que, ben disons que les plans, on a changé nos plans de multiples fois. Donc à la fin, finalement, en ayant vraiment apporté les bons éléments de sécurité et en ayant travaillé, on va dire, de façon étroite avec le Cross Greenet et la préfecture maritime, on est arrivé finalement à avoir un avis favorable. Et en fait, je voulais remercier de tout le dispositif qu'ils ont mis en place. Il y a un dispositif de sécurité qui était extraordinaire, c'est ce qui permet que voilà, j'échoue, je chute dans l'eau, et finalement je m'en sors avec une toute petite égratignure au coude. Voilà, déjà je remercie vraiment le Cross Greenet et la préfecture maritime d'avoir vraiment mis tout ce dispositif de sécurité en place. Maintenant, c'est vrai que nous, de notre côté, on a du mal à comprendre en réalité, disons la fusion qu'il y avait finalement entre la version marine et aéronautique, puisque bon, nous on est habitué maintenant à travailler avec la DGAC qui font un travail extraordinaire pour nous, la DESAC, on est habitué à travailler avec eux, on avait un peu perdu de vue toute la partie maritime. Aujourd'hui on prend conscience qu'il faut vraiment travailler plus près avec eux pour le prochain challenge. Ça évitera de changer de plan et en même temps, voilà, le coup du sort, le point bloquant, c'est la partie vraiment maritime, puisque c'est sur le bateau que j'échoue. Donc voilà, à nous de renforcer tout ça, de travailler plus étroitement avec eux et de réussir. Comment vous vous sentez physiquement? Ben, très bien, très bien. Donc le plus dur pour moi, ça va être justement de maintenir ce niveau jusqu'à la prochaine traversée, parce que j'étais mieux que j'ai jamais été, quoi. J'ai un volant, donc c'était extraordinaire. J'avais pas de douleur, rien, c'était, je volais dans les airs, je me sentais vraiment bien,
C'est rageant, quoi. C'est rageant. Comment s'est passé les 20 premiers kilomètres? Génial. Ouais, c'était juste fantastique. Je volais, j'avais aucun souci. L'air, en fait, en plein milieu de la mer, j'avais jamais volé à cette distance-là du bord. Il est beaucoup plus laminaire, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus fluide qu'à ras des côtes. Et du coup, je volais, c'était comme dans un rêve. Vraiment, c'était génial. Oh, to reboot it, it would take like just a day, and then we need like one or two days to reorganize the system, like find another boat, a bigger one, and then we have to do again and prove the safety again with all the French entities and England entities to prove that everything is in place in a good way, and let's go. It's a matter of weeks, months. Could be a matter of days. La même question en français, combien de temps vous mettez pour reconstruire la machine? Pour reconstruire la machine, il nous faudra une bonne journée. Ensuite, il nous faut une journée ou deux, on est capable de réorganiser l'opération, c'est-à-dire trouver le bon bateau. C'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est, comme je vous disais, en fait, tout est déroulé, tout était comme du papier à musique jusqu'au moment où j'ai vu le bateau qui s'agiter de gauche à droite. En réalité, c'est, comme je disais, c'est beaucoup de problèmes. La faute est 100% sur nous. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de. N'importe comment ça serait passé, ça n'aurait pas forcément changé l'issue du problème. Aujourd'hui, il y a d'énormes difficultés à atterrir sur un bateau. Tous les pilotes pourront vous le dire, c'est extrêmement difficile. Nous, on s'est basé sur du vécu, ce qu'on avait déjà fait à Miami il y a un an et demi. Et la configuration du bateau n'est pas la même. Peut-être la façon dont le capitaine a piloté le bateau n'est pas la même. La mer non plus. Elle était beaucoup plus agitée dans tous les sens. C'était plus du clapot que de la houle. Donc tout ça a fait qu'on a raté. Aujourd'hui, on se reconcentre sur le gros problème, puisque finalement, il me restait même pas 16 km à faire pour arriver en Angleterre. Donc c'était voilà, la partie vol. Je dirais qu'on est vraiment pas mal maintenant, donc il faut renforcer le refueling. Vous envisagez peut-être de faire le ravitaillement en stationnaire ou... Ben disons que là, c'est vraiment une discussion qu'on doit avoir en interne dans l'équipe. Moi, je suis pas pour, parce qu'on repartirait de zéro. Donc là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut tirer vraiment les leçons de nos erreurs, parce que c'est pas très loin non plus. Il y a eu vraiment le tilt vers l'arrière qui a touché la planche. C'est pas insurmontable, c'est vraiment un détail finalement. C'est un détail auquel on n'a pas pensé. C'est toujours pareil dans quand on échoue, puisque tout ce qui peut te faire potentiellement échouer, tu peux le renforcer. Moi, j'imaginais pas un bateau de 10 mètres tilté violemment sur l'arrière. C'est juste une erreur. Donc si on repart sur le plan A, on va potentiellement recréer des problèmes auxquels on n'aurait pas imaginé. Donc là, je pense qu'il faut vraiment mieux se focaliser sur le problème en question et le solutionner. La semaine prochaine, c'est une possibilité pour vous voir pour traverser. Comment ? Possible de vous voir pour tenter à traverser la semaine prochaine. Ah, c'est fort possible, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite vraiment. C'est l'objectif. Dès la semaine prochaine. 204. Ah, toujours du même endroit. Toujours du même endroit. Et on ne va pas changer de plan. Hein. On va rester sur le même plan. Comme je disais, il faut arriver à coordonner tout bien comme il faut et juste apprendre de nos erreurs et tout bien refaire un point derrière l'autre. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles on se trouve, régler des problèmes plutôt que de changer de plan. Voilà. Oh, the sensation, as I said, is just amazing. The first 20 kilometers, I was in a condition that I'd never been, far from the coast. So the wind was so regular, it was like, it was almost as when I flew inside. You know, like no turbulence, nothing. So it was just like flying in the dream. So yes, it was an amazing sensation. At the beginning, I even didn't see England, so I was like alone above the sea. It's impossible to describe. Not scary. No, not scary at all. It was just like the dream. Okay.
sincèrement, franchement, j'ai pas du tout eu peur. Il n'y a pas eu un moment où j'ai eu peur pour ma vie. Même un moment quand j'étais dans l'eau, en fait, le casque m'empêchait un petit peu de respirer parce que l'eau, en fait, s'accumulait dedans. Mais en fait, à tout moment, je peux larguer le système. Donc en réalité, même le pire, bon là pareil, on va apprendre de cette erreur-là. C'est en fait, on modifie les casques pour qu'ils tiennent en fait sous la mâchoire, pour pas qu'ils bougent en fait à 150-160 km/h. Et du coup, ben, l'eau, quand elle rentre, ben, elle ne s'évacue pas. Donc j'étais presque obligé de boire l'eau qui rentrait dans le casque pour être obligé pour pouvoir respirer derrière. Et j'arrivais pas à enlever la sangle. Donc là, on va monter la sangle sur un scratch. Donc ça sert à... Mais sinon, à tout moment, je pouvais larguer le système pour flotter vraiment largement au-dessus de l'eau. Mais si je faisais ça, ben, je pense que j'aurais vraiment eu du mal à repartir. Et donc, ben, j'ai fait le maximum, j'ai résisté tant que j'ai pu. Puis finalement, j'ai retiré le casque. Et puis bon, après là, j'étais en position tout à fait sécu. Donc, j'attendais qu'on vienne me chercher. En fait, j'ai vu un gros bateau à côté. Mais ce n'était pas finalement notre bateau d'atterrissage. C'était un dispositif de sécurité qu'avait mis en place la préfecture avec le cross griné. Donc ça, je l'ai vu ce bateau, puis finalement j'ai vu qu'il était beaucoup plus gros que l'abeille, ouais, était beaucoup plus gros que notre bateau, puis finalement j'ai regardé par mettre à côté. Et... C'était à côté, c'est ça que ça m'a... C'était rageant parce que c'était là, j'avais fait presque les deux tiers en fait. Donc c'était l'Angleterre était là, c'est dur, hein. Ouais. Rageant. Vous êtes laissé couler à pic avec la machine pour la sauver, c'est bien ça qu'on... Non, pas du tout, en fait j'ai un dispositif de flottabilité. Et en fait il me permet de flotter, mais... légèrement au-dessus de la surface. Et en fait, ben, j'ai la tête qui n'est pas du tout complètement hors de l'eau. Plus le casque qui n'est pas fabriqué pour ça, c'est un casque de moto, donc il n'est pas fait pour s'immerger dans l'eau. Donc l'eau s'accumule dans la mentonnière. En fait, parce qu'en plus, on le modifie le casque, on crée un appui sous le menton. Et donc, du coup, ben, en fait, oui, j'avais du mal à respirer, je respirais par intermittence, et j'essayais de pouvoir enlever le casque pour ne pas larguer la machine. Donc, en fait, un simple clic au niveau du ventre et des jambes. Je largue tout le matériel, mais si je fais ça, ben, c'est foutu. Donc voilà, j'essaie de résister un petit peu et tout s'est bien passé. Même mes amis m'ont sauvé aussi en même temps et essayé de me soulever, enlever le casque. Donc, voilà, c'était un bon travail d'équipe. Tout s'est bien passé, sauf que j'étais déjà dans l'eau. Donc. C'est éprouvant aussi pour le staff technique, pour la famille, pour votre épouse. Ah, je pense que c'est même plus dur pour eux que pour moi, puisque moi j'ai le bon rôle. En fait, je suis toujours dans l'action. Eux, ils sont dans l'action, puis après dans l'attente. Donc je pense que c'est plus dur pour eux que pour moi. Mais oui, en fait, c'est, comme je disais, de toute façon, c'est un travail d'équipe. Il y a une personne qui traverse, mais il y a 20 personnes qui bossent, enfin 20 personnes de mon équipe, plus tous les autres derrière. Donc c'est vraiment c'est une aventure humaine, quoi, avant tout. Pour se poser sur un bateau, c'est quelque chose que vous avez parlé à Miami. Qu'est-ce qui s'est passé à Miami? C'est quelque chose que vous aviez répété? C'est quelque chose qu'on n'a pas répété, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait dans le passé. Mais finalement, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la taille, la hauteur de la plateforme ne sont pas forcément en fait répétables. Hein. Disons que le bateau, s'il bouge plus par rapport à sa structure, par rapport à la forme de la coque, et puis encore les conditions climatiques aussi, la mer n'est pas la même. Donc, Alors, par rapport au ravitaillement, parce qu'on met en cause le ravitaillement qui a été imposé par les autorités françaises sur le territoire anglais, demain, sur la prochaine tentative, est-ce qu'on remet en cause ce ravitaillement? Est-ce qu'il a été une des causes par rapport aux inquiétudes de la distance, par rapport à la charge supplémentaire de carburant? Est-ce que demain, il faut rediscuter avec les autorités pour... satisfaire la première, je dirais, esquisse de la traversée où il y avait deux positions de ravitaillement? Non, pas du tout. Sincèrement, ça ne remet pas en cause. Et sincèrement, comme je dis, on est les seuls responsables de cet échec. Et disons que non, ça nous a juste poussé à être meilleurs. Et finalement, c'est la seule chose qui s'est bien déroulée. La distance, on l'a fait sans aucun problème. Et d'ailleurs, on a pesé le sac qui est sorti de l'eau. Il y avait encore 10,5 kg de carburant, donc on était large sur la traversée. Ce n'est pas du tout le point qui a été bloquant. Le point qui a été bloquant, ben
c'est une mauvaise appréciation de notre part sur la difficulté d'atterrissage dans n'importe quelle condition. J'ai envie de dire qu'on a juste été, finalement, je ne dirais même pas qu'on a été chanceux à Miami, c'est qu'à Miami, c'était vraiment différent. On a décollé depuis la plateforme et on y a atterri dessus. Je veux dire, si j'avais été sur le plateau pour en décoller, je n'aurais carrément pas décollé puisque je pense qu'il n'y avait même pas la capacité de rester debout dessus avec des baskets. Donc c'était d'autres conditions. Et en réalité, c'est juste une mauvaise compréhension de l'environnement de notre part. En termes de vitesse, vous disiez, vous tabliez sur une vitesse moyenne de 140 km/h. Là, vous étiez à combien? Est-ce qu'il y avait des pics? Là, j'étais entre 175 et 165. J'ai volé beaucoup plus vite que ce que j'étais capable de voler avant. Donc, c'était bien. Alors oui, il faut aussi rappeler que l'expulsion des gaz fait que la plateforme doit être en hauteur et que ça augmente encore plus par rapport au tangage puisque on est surélevé par rapport au bateau. C'est ça. Donc ça bouge d'autant plus fort et à des degrés. Ça se décale. En fait, donc c'est ça. Voilà, c'est pas que bouger, que ça carrément ça se décale. On ne peut pas coincer les gaz, sinon on repart plus. C'est ça. En fait, la problématique c'est qu'en plus de bouger en fait en latéral, ça se décale carrément. En fait, quand je suis arrivé dans la plateforme, je ne bougeais pas. Puis avec les paquets de mer, en fait, elle sautait, mais en fait, la plateforme se décalait complètement à droite et complètement à gauche. Donc, je suis vraiment focalisé sur ça et j'ai pas du tout vu qu'en fait, elle bougeait également vers moi. Et quand j'ai approché, tac, elle a tapé dans mon pied. Quoi. Donc voilà. Yeah, so when I fall in the water, the problem was the life jacket is enough to make me float with the machine on my feet. The problem is the helmet is not built in this way, and we, because it's not something that we expect every day, we didn't experience that before, but we have to build a system that we can quickly release because the water goes in. And then the only way to be able to breathe was to drink the water in my helmet to be able to breathe again. But I did that to try to save the machine because the first option if I was in danger once again, if I feel really in danger, was to release the system. I can do that in every situation in few seconds. But if I did that, the machine was in the middle of the sea. So I try as maximum I can, and at the last minute I was able to remove the strap and I removed the helmet, and then I was easy, and I am waiting for the rescue. And the machine is preserved. The machine preserved. The machine is damaged. The all electronic is damaged. Certainly the bearing of the jet engines. Maybe we can get some crack in the turbine or the compressor wheel. We have to check. But it's. The base is safe. You said you can rebuild it in a day. Yeah, in a day, yeah. Est-ce que d'ici la semaine prochaine, vous voulez faire des essais d'accotage? Disons qu'on va déjà tout faire pour avoir un bateau le plus grand possible et se positionner le plus bas possible. Et il faudrait qu'on puisse faire des essais vers chez nous sur un système un peu plus même petit pour s'entraîner. Après, je dirais que oui, il va falloir. On n'a pas encore le plan exact pour vraiment focaliser notre attention sur ça, mais c'est ce qu'il faut qu'on fasse exactement. La préfecture maritime ne peut pas vous prêter la veille en voyage. Écoutez, je ne peux pas non plus abuser des moyens de l'État. Déjà, ils étaient là pour nous sauver la vie, ce qui est déjà très bien. S'il était engagé. Maintenant, non. Maintenant, c'est pas. Je ne me permettrai même pas de demander. Si maintenant c'est le cas, c'est génial, mais non, c'est à nous de mettre le dispositif en place pour réussir notre challenge. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions? Thank you. One last question. Yes. S'il vous plaît, expliquez-nous encore en anglais le problème ce matin. Just tell us the exact moment when you realized there was a problem in English. So this morning, everything was just perfect. Everything was smooth. Was in the air flying over 170 kilometers per hour, so the timing was perfect, the condition was perfect, but I fell on the landing,
So the boat was too small, the water was too much waves and everything. And when I approached the platform to land, the platform was moving too much on left and right. The problem is, because it's a little bit hot on the boat, it's not only moving like this, it's moving completely on side. So I was focused on that. And when I approached the platform, I didn't realize that, because you can see clearly when you're on the front of the platform that it's moving this way. But it's extremely hard to see that it's moving like half a meter this way. Your eyes can't see that, you know. So I was focused on this movement. I completely didn't see that the platform moving this way. And when I approached the platform, the handlebar moved back this way and break the two front feet of the flyboard there. And that make me lose the balance on the front. I think that now with reflection, the right reaction could be to just put the gas and go backward. And I certainly get bad reflex. I just grab the bar, and then I stop swinging every direction, and it was too late. Quelle est votre question? 20,2 km. Pour moi, oui. En fait, j'avais jamais fait plus de 9-10 km avant de me préparer pour la manche. Et pour me préparer pour la manche, je travaillais sur 18-19. Mais là, en fait, toutes les conditions étaient alignées pour aller plus loin. Et disons qu'il fallait aussi éviter le maximum possible le channel, où tous les bateaux se croisent. Donc voilà, c'était le challenge du jour et c'est de loin le plus long vol que j'ai jamais fait en flyboard. Donc c'est pas 100% un échec. Quelles étaient les dimensions de la plateforme pour ce produit? Je crois que c'était un mètre par un mètre. Et votre blessure au coude, comment? Je sais même pas. Sincèrement, je me suis aperçu une heure après que j'avais ça. Parce que j'étais en train de mettre du sang de partout dans la baie, dans le bateau. Mais non, certainement en tombant, j'ai dû agripper quelque chose, mais je me rappelle plus quoi en fait. C'est quand on a l'adrénaline comme ça sur un moment, en fait le cerveau il se focalise vraiment sur l'instant présent et ça fait une espèce de reboot toutes les secondes. Donc du coup j'ai pas vraiment de souvenir exact de tout ce qui s'est passé. Quoi. J'étais en mode survie quoi en fait. Pas d'autres questions? Merci. Super, bah, écoutez, attends, je voudrais remettre la médaille de la ville de Sangatte quand même et lui souhaiter la réussite. Si ce n'est pas aujourd'hui, je suis persuadé que ça interviendra plus tard, en tout cas la commune et ses services feront tout pour accueillir dans les meilleures conditions. On aura plus de difficultés à cacher l'événement maintenant et il faudra prendre d'autres mesures de précaution autour de l'aire de départ. Donc je pense que ça nécessitera une fermeture totale de la voie publique. Parce que là, je pense que le public répondra présent. Il a été nombreux ce matin, même si ça a été maintenu dans la discrétion jusqu'au bout. On a été harcelé jusqu'aux dernières heures de la nuit pour savoir quand ça se passait ce matin. Et le monde était présent, mais en tout cas, c'est une belle chose et un bel honneur pour la commune. Donc je tenais à remettre la médaille, à remettre le trophée pour l'équipe. Parce que vous pensez qu'il y a une équipe derrière, on dit toujours que la victoire est collective. Et puis, c'est une petite chose pour... Le fils et son copain qui étaient... voilà, j'ai pensé à eux, parce que je pense qu'ils étaient derrière les encouragements, et c'est bien de voir aussi la famille réunie, et je pense que ça aussi, c'est indispensable à la réussite. En tout cas, vous serez toujours les bienvenus, et puis bon entraînement et au plaisir. Merci. Je serai de l'autre côté, moi, du pays, mais je serai en liaison directe. Et s'il fallait revenir, je reviens. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Merci beaucoup, puis rendez-vous pour la manche. La deuxième manche.